Aujourd'hui, c'est une journée full excitante, my love! Oui, belle journée! Yo! C'est Cass et Paul. Puis j'en profite pour faire une mini introduction avant le début de la journée. C'est une vidéo que je suis vraiment, vraiment excitée de faire. Je sais pas si vous avez remarqué, puis c'est sans jugement. C'est le moment où est-ce que les compagnies envoient plein de cadeaux aux influenceurs, où est-ce que les influenceurs ont plein de contrats. Puis on dirait que je regardais mon feed d'Instagram passer, puis je voyais juste des concours. Puis j'étais comme, tu sais, c'est cool parce que ça vous fait gagner des affaires, mais au final, pas des affaires que nous on a payées, tu sais. Puis je me disais, tu sais, en tant que créateur de contenu, oui, c'est le fun de recevoir des cadeaux, mais je me disais, Chris, je pense que c'est pas nous qu'il faut gâter en ce moment. Je pense que c'est vous. La semaine passée, j'ai fait une vidéo avec ma meilleure amie qu'on se donne des cadeaux, puis tu sais, c'est vraiment le fun de gâter quelqu'un qui t'est cher, puis t'aimes vraiment beaucoup, mais je me suis dit, Chris, vous êtes là à longueur d'année, depuis 3 ans, à suivre mes vidéos, puis j'ai jamais vraiment rien fait concrètement pour vous. Fait que je me suis dit, cette année, à Noël, j'ai envie de vous gâter, mais vous gâter pour vrai, tu sais. Fait que c'est ça, fait que hier, je suis allée magasiner plein de cadeaux, puis je vais faire au total 7. Oh, Paul! Je vais faire au total 7 cadeaux, puis je vais aller vous les livrer directement à votre porte. Évidemment, avec le COVID, on va prendre toutes les mesures sanitaires possibles. On va mettre un masque, on va vraiment se tenir à distance et tout. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer. J'ai vraiment hâte de rencontrer les 7 personnes. J'ai décidé de gâter aujourd'hui pour des raisons différentes. Il y en a qui c'était leur anniversaire. Et c'est quoi les odds que c'était leur anniversaire aujourd'hui? C'est sûr à 100% qu'il faut que j'aille leur donner un cadeau. Fait que je vous amène avec moi pour cette journée qui risque d'être assez mémorable. Fait que c'est ça! Bienvenue dans la vidéo où est-ce que je fais le Père Noël et que je viens vous livrer des cadeaux à votre porte et que évidemment je vais pas descendre dans la tabarnak de cheminée parce que il y a pas aucune calice de chance que je descende dans la cheminée. Je vais être un Père Noël à distance, mais quand même un Père Noël, puis j'ai vraiment hâte de rencontrer les 7 personnes que je vais gâter aujourd'hui. Paul, il regarde par la fenêtre et il se dit « Je suis nostalgique. Aujourd'hui, je suis en paix avec mon âme. Je suis nostalgique. » Il est nostalgique, est-ce que tu Tasse-toi, je vais montrer les cadeaux. Non mais tasse-toi, c'est pas toi que je vais montrer, tasse-toi. Non mais. Ben, en tout cas, je voulais montrer les cadeaux, mais Babi, il veut pas. Babi, il veut rien savoir. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, here comes Santa Claus. Je connais pas le reste des paroles. Pour un tabarnak, en tout cas. Fait que là, les cadeaux sont prêts, on s'en va les porter. Alors, premier stop, on s'en va voir une fille qui s'appelle Roche Papier Ciseaux. J'ai bien hâte de la rencontrer. Hey, on va y faire un Roche Papier Ciseaux. Oh, j'espère gagner contre si... Roche Papier Ciseaux. Hey, attends, on fait quelque chose, on va faire un Roche Papier Ciseaux, puis si elle gagne pas, on lui donne pas le cadeau. Oh my god! On est arrivé au premier stop, je suis full excitée. Fait qu'on sonne. Ah! Je suis comme pressée. C'est vraiment une journée venteuse, la gang, fait que je sais pas si vous m'entendez. Malheureusement, Roche Papier Ciseaux n'était pas là. So sad! Fait que, ben, si t'écoutes la vidéo Roche Papier Ciseaux, t'as failli avoir un cadeau! Roche Papier Ciseaux! Roche Papier Ciseaux! Yeah! C'est merde! Fait que, là, ça a pas été facile. Il y a plusieurs personnes qui nous ont pas répondu. Malheureusement, ils n'auront jamais de cadeau. Fait que là, on a sonné chez Sarah, première personne qui aurait son cadeau. Donc, texte-toi. Ouh! Elle s'en vient! Yo! Bonjour! Ça va, t'es la première personne qui a un cadeau! Elle est trop cute, elle nous a fait des cocktails! Ok, on va commencer par ça parce que je voulais vraiment me l'acheter. C'est vrai?
Puis je suis vraiment contente, sérieusement, de l'avoir. Parce que, ok, je vais te le dire, c'est un running gag avec ma meilleure amie. Oui. Que je voulais te rencontrer. Pour vrai? Que j'étais comme, Cass pis moi, on pourrait être genre tellement des bonnes amies. Ah, mais c'est drôle que tu dises ça parce que quand t'es sortie, j'ai l'impression que c'est ma chum, genre, qui vient d'arriver. Je suis en train de voir que votre cœur, ça réchauffe les cœurs. Cheers! Okay. Mais merci full, les filles, c'est vraiment nice. Je viens de partir de chez Sarah, elle était tellement fine! Genre, quel accueil! On en parle pas. Attention, il y a une marche. Direction, another person for another cadeau! Il n'y a pas de vent! La chambre, elle nous accueille pas, hein? Je suis comme non, mais c'est impossible que les gens vont pouvoir venir chez nous. C'est comme ça, c'est comme ça, je veux pas rester mon amour, faut jamais magasiner. Je comme non, j'ai ça, j'ai ça. J'ai ça, 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 c'est vraiment, je t'adore aussi. Merci, trop fort. Ça me fait pas plaisir. Je suis bon, tu diras, salut à ta blonde de ma part. Puis c'est le joyeux Noël. Merci. Bye. Fait que là, on s'en va voir Laurence. Qui m'a dit qu'elle m'accueillerait si je viens en pyjama de Noël. Fait que ma chum, c'est pas en pyjama. On part avec le cadeau. On part. C'était trop. Laurence, ça fait rien savoir de ton cadeau. Là. Laurence, c'est une bitch. Pas de réponse. Tu te fais ghost, là. Oh my god, Laurence, elle me ghost. Non, mais fuck off, Laurence. Fait qu'on s'en va gâter Marie-Maxime, qui est présente, ce qui est une bonne chose. Allô? Salut! Oh! Hey, t'as girl crush, eh? Oh my god! Nice. Oh, merci. Ça fait quoi? Bye, bonne journée. Yo, pendant qu'on fait la tournée pour donner des cadeaux, il y a quelqu'un qui a craché dans ma vitre, tabarnak. C'est jaune, l'angoisse. J'angoisse. Notre prochain stop, c'est chez Caroline, puis on y va parce qu'elle a dit qu'elle avait aussi un cadeau pour nous. Genre, excuse-moi, je veux bien vous gâter, mais c'est le fun de se faire gâter aussi. Ça s'appelle Caroline en plus. Elle s'appelle Caroline, elle a un cadeau, c'est un trigon. Yo! Allô! Salut, enchantée! Caroline? Oui, c'est moi! Enchantée! Okay, cadeau. C'est dommage gentil! Mais ça me fait pas plaisir! Ben, merci beaucoup de prendre la joie! Écoute, j'étais contente, ça me fait rire beaucoup! Ouais, mon collègue, il est super beau, il est super beau, il est super beau! Il est-tu dit? J'ai acheté une petite palette de chocolat pour vous! T'es trop fine! Ouais! Bye! Merci, puis à prochaine! Hey, oui, joyeux Noël! Bye! Caroline, elle nous a acheté du chocolat. Oh, cute, là! Miam! Genre, Caroline, nous a donné un cadeau. Miam! Hey, c'est trop gentil. Merci, Carole! In! Fait qu'on s'en va donner un cadeau à Mathilde! Elle s'en va? Ah, c'est pour... Ah oui, c'est parce que c'est la fête de 18 ans! De sa soeur! De sa soeur! Ah oui, c'est vrai! Ah, c'est trop cute! Bonne fête! Ça veut dire, c'est grâce à ta soeur. C'est quoi ton nom? Océane. Fait que je t'ai mis plein de petites surprises. Puis j'espère que ça va te faire du bien en ce temps de pandémie de merde. On va dire. Si je prends une photo genre de loin, j'ai bah oui, bah oui, c'est vrai. Tu sais, je souris, mais j'ai un masque. Ça quoi, mais tout le temps. On écoute toutes tes vidéos, puis la dernière avec vous. Merci, c'est fin. Bonne fin. Bye bye! Allô? Je sais pas si je suis au bon endroit. Moi, c'est Lorraine. Tu cherches qui? Est-ce que tu as commenté sur ma publication Instagram pour avoir un cadeau? Non. Ah! Bonjour! Non. Ben, surprise! C'est parfait! Ok, ben je te fais un petit cadeau pour Noël d'avance, c'est pour ça. Ben, ça fait pas plaisir pour elle. Fait que, ben, joyeux Noël! Fait que, dernier spot.
choix de la journée, il reste juste un cadeau. On s'en va rejoindre Anouk à sa job, à travailler dans une boulangerie. Enfin, j'espère qu'elle a pas fini son shift, sinon je vais être comme malaise. Anouk is not here. Anouk, we are coming for you. And I believe you are here because if you are not here... I believe you're here. Yeah, I believe. I hope you're here. And if you are not here, I will be so sad and I will cry until the end of my life. Okay, bye-bye. J'espère qu'elle est là. Ça va? Salut! Ça porte un petit cadeau sur la tête. Salut, Noël! Ça va plus que je te trompe. Mais non! Ça fait pas une envie de te donner un cadeau. Mais moi aussi, c'est pas les trucs, mais malheureusement, avec la gravité, ça doit faire ça pour tout le monde. Oui, Paul, c'est vraiment plate, mais tu me dis justement que je vais mettre un peu de joie dans la vie des gens en ce moment. Dans ta journée de travail. Mais merci, ça fait pas de plaisir. Aujourd'hui. Fait que, ben, on te souhaite un joyeux Noël, Anouk. Merci. Bye! On est fini! Yeah! Ça a été une méga grosse journée. C'était vraiment le fun de vous rencontrer. Vous avez toutes l'air vraiment contentes. Et puis là, moi et Carole, on est plus capables car on a envie de faire un petit pipi. Et on fait roche, papier, ciseaux, savoir qui va pisser en premier. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Ah! Tabarnak de course! Bye bye! Hello! Et quelle transition incroyable! Sautez la gang! C'est la case du lendemain avec son petit café un peu poqué. Ouais, ouais, ouais. Un peu beaucoup poqué. Oh, crissement poqué, oui! Ça a été une journée incroyable. Ça a été honnêtement une grosse journée par contre, là, parce que c'est pas facile de faire ce genre de vidéo-là parce que moi j'avais mis dans ma story justement de juste me mettre votre adresse et puis d'être là. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient pas là, malheureusement. J'étais déçue. J'avais comme vraiment hâte de les rencontrer. Mais en fait, je pense que l'important c'est pas de focusser sur ceux qui étaient pas là, mais sur ceux qui étaient là. Et je vais juste prendre un instant pour dire aux personnes que j'ai rencontrées à quel point vous avez fait ma semaine. Genre, je vous ai trouvé exceptionnel, je vous ai trouvé. On dirait que vous étiez comme mes chums de girls, genre. Tu sais, j'ai dit à Caro, peut-être bien qu'on va tomber sur quelqu'un de vraiment malaisant, ou tu sais, quelqu'un qui me connaît pas vraiment, puis qui va être juste comme merci girl pour ton cadeau, ciao bye. Tu sais, comme, ben finalement, non, tu sais, vous étiez toutes vraiment accueillantes. Comme il y en a une qui m'a offert un drink, il y en a une qui m'a donné du chocolat. C'était full beau aussi de voir la petite qui fêtait son anniversaire, son 18e anniversaire. My god, je me rappelle tellement. Chris, ça va bientôt faire 10 ans que j'ai fêté mon 18e anniversaire. Ben voyons donc, ça quand même, le temps passe vite, hein. Le temps passe vite, profitons-en. Mais tout ça pour dire que c'était exactement le genre de journée que j'avais envie, que j'avais besoin pendant cette période de COVID. Je vais prendre aussi 2 secondes pour remercier Caroline, ma meilleure amie. Caroline, cette chère et tendre Carole d'amour. Non mais ben franchement, elle a quand même pris toute sa journée pour m'aider à vous donner vos cadeaux, donc flume bonne cette petite Caroline. Caro, elle a vraiment comme le cœur sur la main, pour être bien franche, puis je pense que c'est grâce à elle que j'ai envie encore plus de faire des bonnes actions. Puis cette semaine, elle a décidé de faire un GoFundMe pour récolter des fonds pour les donner aux jeunes enfants malades, aux jeunes enfants dans le besoin, ou même aux familles dans le besoin de l'hôpital Sainte-Justine. Puis je voulais juste prendre le temps de le mentionner ici parce que je trouve que ça conclut vraiment bien la vidéo. Je pense qu'en ce moment, l'important, c'est d'être là pour ceux qui en ont vraiment besoin. Je pense que des fois, on réalise pas à quel point qu'un petit geste peut faire la différence pour quelqu'un. Puis ben, cet argent-là, même si on le donne pas concrètement à quelqu'un, ben, il fait vraiment une différence. Fait que voilà, je voulais conclure la vidéo en vous disant que le lien, si vous avez envie de partager, de donner, est dans la barre de description. Regardez Paul, il est trop beau! Il est trop beau, c'est chien! Ok, bye! Fait que sur ce, à la semaine prochaine! Je vous aime. Mais qui vous aime? C'est moi. Ok, bye! The snow is falling down. I've been longing for this Christmas.